Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler de Naïda. Je précise juste que certains éléments de cette vidéo sont tirés de la quête d'Archon, donc si vous voulez éviter tout type de spoil, je vous conseille de ne pas la regarder. Dans le cas contraire, bonne vidéo. La Molragne Ruka Devata a créé la forêt tropicale de Sumeru et a conféré la sagesse aux habitants par le biais de l'académie. Malgré son départ il y a longtemps, son nom est toujours loué dans les histoires racontées dans chaque foyer de Sumeru. D'un autre côté, la Rani Kuzanali, qui a été ramenée par les sages au sanctuaire de Suastana après la chute du premier Archon, a été plus un symbole qui signifie que la protection de la divinité n'a jamais cessé d'exister sur cette terre. Mais les réponses aux questions, qui elle est, comment est-elle arrivée là, et quel pouvoir est là, sont rarement connues. De la réponse vague et de l'attitude évasive du plus grand sage envers l'enquête des gens sur la Rani Kuzanali, les habitants de Sumeru ont déduit qu'ils ne devraient plus s'attendre à ce que la sagesse miséricordieuse descende d'en haut comme avant. L'Akasha, le sublime héritage laissé par la Molragne Ruka Devata, est tout aussi pratique et utile qu'il l'a toujours été. Ce dont les gens ne sont pas conscients, c'est qu'aujourd'hui, l'Akasha est devenu les oreilles et les yeux de la divinité fraîchement née. À travers l'Akasha, elle a observé la moindre parcelle d'émotions et d'attitudes humaines. Elle est consciente de leur dévotion à l'ancienne déesse, de leur désillusion face à leur nouvelle divinité et de nombreux commentaires selon lesquels la déesse de la sagesse ne reviendra jamais. Elle sait dans son cœur qu'elle doit continuer à apprendre et grandir aussi vite que possible pour se lever et faire face aux menaces des coins les plus abyssaux du monde. C'est son devoir inévitable. Ainsi, qu'elle soit incomprise ou sous-estimée, Naïda ne s'y opposera pas. Le processus d'apprentissage et de croissance est joyeux. Et la connaissance de ce monde satisfait toujours la curiosité exubérante de Naïda. Peu à peu, Naïda en vint à saisir les principes de la nature et des éléments, comprenant l'écologie, du ciel et de la mer. Elle pourrait même composer ce qu'elle a appris dans des rêves fascinants qui sont logiques, mais au-delà de l'imagination. De tels rêves sont, en substance, les mêmes que les merveilleuses métaphores de Naïda. Ils conduisent tous à une compréhension naissante des similitudes entre deux choses, autrement sans rapport. Mais il y a des moments où elle médite sur des choses, mais a du mal à les comprendre. Et ces incidents concernent généralement des événements liés aux personnes ou à la société. Par exemple, lorsque l'honnêteté et la vérité peuvent exempter une personne de punition, certaines personnes peuvent devenir silencieuses et trompeuses. Et quand elles étaient avec leur bien-aimé, certaines personnes blessaient les autres avec des mots brutaux. C'est comme si les contradictions du monde entier étaient concentrées et manifestées par des êtres humains, dont les émotions inconstantes laissent perplexe Naïda. Dans de tels moments, ces métaphores ne fonctionneraient pas. Elle ne pouvait pas non plus trouver de système dans ce monde comme référence pour un tel chaos. Elle ne pouvait l'expliquer que par le fait que la différence entre l'unicité de chaque personne créait des réactions diverses lorsqu'elles subissent des émotions similaires. Mais ce n'était pas une réponse satisfaisante à Naïda. Pour mieux connaître les êtres humains, la simple connaissance et le dogme seul ne suffiraient pas. C'est peut-être à partir de ce moment-là qu'elle a compris pourquoi elle devait se tenir fermement aux côtés des êtres humains et a même fait d'énormes sacrifices pour eux. Pour chacun d'entre eux, il y a une existence unique dans ce monde. La vie de Naïda est peut-être uniforme, mais elle possède le rêve le plus fantastique et le plus vivant de tout Sumeru. La connaissance qu'elle apprend à travers l'Akasha pendant la journée est présentée de manière vivante dans ses rêves la nuit. Au fur et à mesure qu'elle acquiert plus de connaissances, ses rêves deviennent de plus en plus complexes et pleins de vie. Les rêves non seulement détendent son esprit, mais lui donnent également la possibilité d'examiner ses nouvelles connaissances pour voir si cela va à l'encontre du bon sens ou s'il lui manque des détails. Lorsque les faucons nuits sont apparus pour la première fois dans le rêve de Naïda, ces oiseaux ont plané dans le ciel dans une posture droite, les ailes repliées. Cela semblait anormal et attira immédiatement l'attention de Naïda. Elle a ainsi appris le fonctionnement des ailes, après quoi ces oiseaux pouvaient voler librement dans ses rêves. Ensuite, elle a adopté des méthodes similaires pour les porpignons qui dormaient sous l'eau, les radis qui poussaient sur les pommiers, et les papillons cristallins aux couleurs d'ailes dépareillées. La connaissance ne doit pas être une simple approche pour justifier les choses dans ce monde. Elle pourrait également être utilisée pour satisfaire son besoin de plaisir pur et innocent. Techniquement, les porpignons ne peuvent marcher que sur le sol. Maintenant qu'elle a compris le fonctionnement des ailes, les porpignons avec des ailes ne voleraient-ils pas tout de même? Et là où il y a des porpignons volants, il est naturel d'avoir des crocodiles qui marchent sur leurs pattes arrière et les fruits ara qui parlent des langues humaines. La façon dont Naïda développe son système de connaissances lui a par la suite créé un petit parc d'attractions à l'abri des perturbations. Dans ses rêves, elle est dans l'étreinte d'un bonheur sans bornes. Les enfants doivent encore être bien informés et sont facilement influencés par les émotions, mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent être méprisés ou moqués. La frustration et les déceptions leur donnent en effet un avant-goût de la réalité, mais au prix de les priver de pensées innocentes et d'émotions exubérantes.
Les enfants qui, par malheur, rencontraient une telle négativité entendaient toujours une voix douce et chaleureuse par une nuit ordinaire. Elle écoute attentivement les enfants, utilise ses merveilleuses métaphores pour leur clarifier les principes, joue avec eux et parle de leur jeu et goûter préféré jusqu'à l'aube. Bien que la nuit soit courte, une telle compagnie laisserait croire aux enfants qu'il y a encore quelqu'un dans ce monde qui les comprend. La haine et la frustration sont ainsi fondues par la chaleur de leur cœur, et les enfants auraient l'opportunité de faire un changement dans leur vie afin qu'ils puissent grandir dans la confiance et dans la joie. Cependant, aucun d'eux ne pouvait reconnaître à qui appartenait la voix douce et chaleureuse. Tout le monde le sait, après tout, que la molle Rani Rukadevata était partie depuis longtemps. Un groupe d'enfants s'est réuni en secret et a discuté de ce phénomène mystique. Soudain, un enfant qui semblait en savoir beaucoup plus que ses pairs a mentionné un nom, quelque peu inhabituel, la Rani Kusanali. Ils ont rapidement accepté cette théorie, et bien sûr, aucun de leurs parents ne les croyait. Mais qu'importe, la Rani Kusanali était déjà leur amie. Le personnel de planification de la verdure de la ville de Sumeru a reçu une fois une mystérieuse lettre. L'expéditeur était apparemment un citoyen enthousiaste et parfaitement tranquille de la ville de Sumeru. La lettre contenait des suggestions détaillées et une planification réfléchie qui tenait compte à la fois de la météo et de l'aspect pratique. En juger par le professionnalisme du contenu de la lettre, il était naturel de supposer que la lettre provenait d'un chercheur bien connu de l'Amurta qui préférait rester anonyme. Malgré l'anonymat de l'auteur, le personnel de l'aménagement de la verdure a effectué son travail dans la ville exactement comme indiqué dans la lettre, comme s'il exécutait les ordres de son supérieur. Le résultat a suscité de nombreux éloges. Plus tard, Naïda a emprunté le corps de Catherine et s'est promenée dans les rues de la ville. À sa grande joie, elle a découvert que l'arrangement des plantes était exactement le même qu'elle avait prévu. La lettre venait de Naïda, bien sûr. Elle l'avait écrite parce qu'elle pensait que si la connaissance était importante, la pratique était également essentielle. Mais avec le contrôle extrêmement strict exercé par les sages, Naïda a dû les convaincre avec beaucoup d'efforts avant qu'ils n'acceptent de la laisser envoyer cette lettre apparemment inutile de manière anonyme. Mais Naïda était tellement encouragée par le grand succès de sa première tentative de mise en pratique des connaissances que les jours suivants, même lorsqu'elle marchait, elle était toujours pleine d'une confiance exaltée. Mais ensuite, elle a tourné à un coin et a remarqué de manière inattendue que plusieurs fleurs de couleurs complètement dépareillées avaient été plantées ensemble. Après un examen minutieux, elle a découvert que c'était parce qu'elle n'avait pas envisagé la possibilité qu'une des espèces de fleurs puisse changer de couleur, ni préciser très strictement l'environnement de culture des fleurs dans ses plants. Puis il lui vint à l'esprit que ce bouquet de fleurs pouvait être là depuis des dizaines de jours, pendant lesquels tout le monde aurait pu être témoin de son absence totale de sens esthétique. Ce jour-là, beaucoup ont affirmé avoir vu Madame Catherine, qui se tenait habituellement derrière le bureau de la réception avec un sourire confiant, accroupie à côté d'un pot de fleurs, ses mains couvrant son visage rougissant. Comment éradiquer la menace que les savoirs interdits font peser sur l'Irminsul? Naïda avait l'habitude de croire qu'elle était celle qui avait la réponse, mais elle n'a jamais réalisé qu'elle était aussi la réponse elle-même. Celui qui agit laissera certainement des traces derrière lui. Lorsqu'on souhaite s'éradiquer, un paradoxe se produirait ainsi. C'est pourquoi il est inévitable que l'on doive dépendre des autres pour atteindre cet objectif. Au moment où Naïda avait compris cela, le temps était compté, ne lui laissant aucune place pour une réflexion plus approfondie. Les connaissances accumulées au fil des années ne pouvaient même pas l'aider à trouver une solution au dilemme pressant qui se posait à elle. Mais tout comme l'a dit, en tant que sage, on devrait ressentir de la joie à la découverte de la réponse. Elle n'est pas née juste pour accomplir des actes aussi cruels. Ce n'est qu'après avoir éradiqué les connaissances interdites qu'elle a pu se concentrer sur l'avenir de Sumeru et planifier la prospérité et le bonheur que sa nation pourrait appeler les siens. Une nation marchant vers le futur se souviendra-t-elle encore d'un nom qui n'existe plus? Ce n'est pas important. Est-ce que ça n'a vraiment pas d'importance? Naïda aurait certainement proposé le contraire. Dommage alors que leur temps ait été trop court. En un clin d'œil, ne lui a même pas laissé une chance de répliquer. Bien qu'il ne semble pas différent d'une boîte ordinaire, ce container contient une variété de répliques expérimentales. Naïda a un fort intérêt pour les jeux populaires de toutes sortes. Leurs règles sont simples, mais elles sont aussi amusantes et profondes. Qu'il s'agisse d'énigmes ou de jeux de combat, la fascination qu'ils inspirent peut durer longtemps. Les jeux sont simples, mais pas simplistes, illustrant la sagesse de leurs concepteurs. Déconstruire et modeler les choses offre également de précieuses opportunités d'apprentissage. Cependant, les chercheurs de l'académie n'ont jamais soutenu ces idées novatrices et n'ont pas non plus satisfait son souhait d'avoir plus de jouets. Alors elle a fait un compromis et n'a demandé que du bois et quelques outils. En suivant les instructions données par l'Akasha et en faisant appel à son imagination, elle réussit à créer divers jouets tels que des échiquiers, des cartes, des pièces de puzzle et des serrures tridimensionnelles. Le sentiment d'accomplissement de finir de fabriquer des jouets a apporté une brève satisfaction à Naïda, mais elle l'a vite découvert. Elle ne pouvait trouver d'adversaire pour aucun jeu de type de bataille, et en tant que créatrice, elle connaissait les solutions à tous ces jeux de puzzle. Si seulement il y avait quelqu'un d'autre pour les essayer. Alors elle a toujours espéré. Mais avant que cette personne appropriée ne se présente, ses jouets doivent rester dans leur boîte
pour le moment. L'existence de l'akasha est un moyen, pas une fin en soi. Le moment où la connaissance interdite a été éradiquée était le moment où l'akasha avait accompli sa mission. Celui qui avait convoité le pouvoir du Gnosis avait écrit tout le drame depuis le début et se montrerait au fur et à mesure que les rideaux tomberaient. Naïda, utilisant le Gnosis d'un pays étranger comme levier, a privé l'ennemi rusé de ses parties comme assurance. Mais l'ennemi a également immédiatement demandé un marché, offrant une connaissance critique de la vérité de ce monde. Sa connaissance des valeurs ancrées dans cette terre était sans égale, et avait donc voulu profiter de la curiosité et du sens des responsabilités de Naïda dès le début. En effet, selon lui, il ne pouvait y avoir de monnaie d'échange plus appropriée que la connaissance. Avec un Gnosis toujours entre les mains, Naïda ne put s'empêcher d'hésiter. Elle en savait à peine plus sur les Gnosis qu'elle ne connaissait la vérité du monde. Le Gnosis pour elle n'était qu'un noyau qui rassemble une masse de puissance élémentaire. Mais s'il n'y a rien de plus dedans, pourquoi un dieu était-il si désireux de tous les rassembler? Une poignée de main signifie un compromis égal pour les deux parties, loin de toute victoire. D'un autre côté, refuser le marché indique un certain type d'ignorance qui, évidemment, inviterait plus facilement à une perte de contrôle. C'est ainsi que la déesse de la sagesse trouva instantanément sa réponse. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.